Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer des toiles que j'ai reçues hier. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 24, 24, oui, je pense que c'est ça. Des toiles que j'ai reçues, alors c'est des toiles, donc j'en ai reçu 3, c'est des toiles que j'avais commandées. Alors, j'avais commandé sur ibroderiediamant.fr. Donc, c'est des toiles que j'avais commandées le 4 juillet. Et je les ai reçues hier, le 23 juillet 2020. Donc, les toiles, c'était une offre où c'était 2 toiles achetées, une gratuite. La gratuite était forcément la moins chère. Donc, je vais vous montrer. On va voir ensemble. Donc, ça arrive dans un plastique comme ceci. Ensuite, c'est mis dans un carton. Enfin, avant, c'est mis dans un carton. Voilà, c'est mis dans un carton comme ça où il y avait les 3 toiles, il y avait les kits. Enfin, on va tout voir ensemble. Donc, j'avais déjà tout vérifié pour voir si toutes les couleurs y étaient. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer des toiles que j'ai reçues hier. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 24, 24, oui, je pense que c'est ça. Des toiles que j'ai reçues, alors c'est des toiles, donc j'en ai reçu 3, c'est des toiles que j'avais commandées. Alors, j'avais commandé sur ibroderiediamant.fr. Donc, c'est des toiles que j'avais commandées le 4 juillet. Et je les ai reçues hier, le 23 juillet 2020. Donc, les toiles, c'était une offre où c'était 2 toiles achetées, une gratuite. La gratuite était forcément la moins chère. Donc, je vais vous montrer. On va voir ensemble. Donc, ça arrive dans un plastique comme ceci. Ensuite, c'est mis dans un carton. Enfin, avant, c'est mis dans un carton. Voilà, c'est mis dans un carton comme ça où il y avait les 3 toiles, il y avait les kits. Enfin, on va tout voir ensemble. Donc, j'avais déjà tout vérifié pour voir si toutes les couleurs y étaient. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer des toiles que j'ai reçues hier. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 24, 24, oui, je pense que c'est ça. Des toiles que j'ai reçues, alors c'est des toiles, donc j'en ai reçu 3, c'est des toiles que j'avais commandées. Alors, j'avais commandé sur ibroderiediamant.fr. Donc, c'est des toiles que j'avais commandées le 4 juillet. Et je les ai reçues hier, le 23 juillet 2020. Donc, les toiles, c'était une offre où c'était 2 toiles achetées, une gratuite. La gratuite était forcément la moins chère. Donc, je vais vous montrer. On va voir ensemble. Donc, ça arrive dans un plastique comme ceci. Ensuite, c'est mis dans un carton. Enfin, avant, c'est mis dans un carton. Voilà, c'est mis dans un carton comme ça où il y avait les 3 toiles, il y avait les kits. Enfin, on va tout voir ensemble. Donc, j'avais déjà tout vérifié pour voir si toutes les couleurs y étaient. Donc, on va déjà regarder les toiles ensemble. On va prendre la plus petite. Alors, il y en a que j'ai regardé et que je regrette un petit peu. Que je regrette un petit peu parce que j'aurais su, je les aurais pris en plus grande. Donc, les toiles, je les trouve de super bonne qualité. Voilà. Là, c'est avec le petit papier blanc. Alors, celui-ci, c'est un 25 couleurs. Je vais aller chercher
Voilà, je vais pas chercher une petite coupelle pour ensuite bien les remettre en place. Alors, je tire tout le temps les quatre coins pour bien étendre la toile. Elle m'a l'air de bien coller. Et allez, c'est parti. Vous voyez, je regrette un peu de ne pas l'avoir pris en plus grand. Vous voyez, c'est le sable en fait, hein. Voilà le petit modèle qui est là. Et c'est le sable, enfin l'eau, l'eau en fait, hein. C'est les vagues. La mer en fait, hein, avec du sable et deux roses, donc une rouge, une blanche et les petits cœurs. Ouais, bon. Sinon, elle est impeccable. Elle a pas de. Il n'y a pas de rivière. Non. Il n'y a pas de rivière. La colle, elle toile bien. La toile, elle colle bien. Donc, sur celui-ci, il y a 25 couleurs. C'est pas possible. Il va pas arrêter d'aboyer. Bon, voilà, j'ai essayé de faire taire le chien. Donc, voilà la toile. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai pas voulu prendre une plus grande. Bon, voilà. Après, faut pas non plus. Enfin, moi, je vais pas prendre des très, très grandes toiles. Hein. Je pense pas que vous verrez chez moi des grandes toiles. Parce que, après, faut savoir les ranger, faut savoir les mettre. Il y en a que je vais accrocher, il y en a d'autres que je n'accrocherai pas, bien évidemment. Donc, bon, c'est plus un loisir. Hein. Donc, je pense pas que, forcément, je les accrocherai pas toutes. Celle-ci, bon, après, celle-ci, de base, elle devait partir dans ma chambre. Mais bon, je sais pas si elle sera assez grande. Bon, c'est pas, je verrai le rendu. Sinon, après, j'aime bien en avoir, les garder, voilà, en offrir. Voilà. Donc, celle-ci, c'était la gratuite. Donc, celle-ci, c'était la gratuite. Donc, j'ai pas noté le prix. Alors, par contre, la gratuite, enfin, en fait, c'était par rapport à la moins chère. Hein. Donc, du coup, alors, est-ce que c'est celle-ci? Ouais. C'est la moins chère, c'est sur la moins chère. Donc, peu importe ce que vous prenez comme dimension, ça sera sur la moins chère. Donc, c'est vendu avec le petit kit, avec la petite feuille hein, qui n'est pas mise avec. C'est juste moi, je les ai mis avec pour vérifier si les couleurs y étaient bien. Voilà, donc c'est sur une simple feuille de papier. Ils n'ont même pas remis le dessin, donc du coup, j'ai mis les roses et les cœurs. Enfin, voilà, de façon à savoir quel que c'est. Enfin, de toute façon, il y a les références. Hein. Dessus, il marque bien la référence du DP. Donc là, il y a 25 références de couleurs. Alors, par contre, chez eux, vous voyez, il marque le numéro 1, voilà, qui correspond au DMC 310, etc. Par contre, il ne marque pas combien il y a de paquets, ni combien il doit avoir de grammes. Donc, pour vérifier, c'est un peu compliqué. Alors, par contre, chez eux, tout est mis dans des sachets. Ça, c'est super pratique. Tout est déjà mis dans des petits sachets zip. Donc, ça, c'est super pratique. Après, une fois le DP terminé, on le range. Donc, moi, j'ai pris en carré cette fois-ci. C'est la première fois que je vais tester en carré. Donc, bon, on verra bien. Donc, vous voyez, eux, par contre, ils marquent comme là 1, bon, oh. Il veut pas. 1,1 g. Vous voyez, celui-ci, 1,7 g. Celui-ci, il est bien plein. Alors, pourquoi il y a une petite étiquette jaune? Là, je me pose la question. Je me demande s'il en manquerait pas un. J'espère pas. Celui-ci, c'est un 13,7 g. Donc, en fait, ils mettent au grammage. Donc, je sais pas. Bon, après, il y en a qui ont un petit défaut, qui ont un petit noir dans les blancs. J'en ai vu aussi sur un autre. Enfin, bon, bref, on verra. Donc, on verra.
Alors, ils n'avaient pas du tout annoncé ce petit talk kit, enfin ce petit kit. Ils n'avaient pas du tout annoncé ça. Alors, ils annonçaient le petit, ils annonçaient un petit bac, le petit bac là. Ils annonçaient le petit stylet rose. Et ils annonçaient absolument pas la pince. Et en fait, j'ai une pince dans chaque kit. Et ils annonçaient absolument pas la pince hein, quand on rentre sur leur site et qu'on regarde ce qu'il y a de fourni avec, c'est absolument pas ce crayon. Bon, je sais plus où j'en étais. Mon téléphone a voulu couper. Bon, bref. Donc, je vous disais les petits kits. Donc, les petits kits, c'était pas prévu du tout que ça soit ça. Donc, il y a le petit stylet comme ça avec le petit truc en mousse qui est bien pratique. Là, c'est la petite genre de petite réglette. Hein. C'est pas pour mettre les perles. Enfin, je pense pas. Enfin, je m'y connais pas encore assez, mais je ne pense pas. C'est plus pour pousser. Ensuite, il y a la petite pince comme ceci qui m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc moi, ça, une pince, j'avais pas encore eu. On a la petite cire, hein, là, pour... voilà. On a le petit... alors, ça, c'est plutôt pas mal, vous voyez, par rapport à l'autre. Déjà, il est un peu plus grand. Un peu plus large, on va dire. Ouais, il est un peu plus large que les verts. Enfin, légèrement. Enfin, si, quand même. Un peu moins long, mais par contre, il y a la petite goulotte. Et vous voyez, là, ça se ferme. Enfin, là, c'est fermé. Donc, pour déverser, reverser les perles, c'est plutôt compliqué. Là, avec la petite goulotte, c'est bien, bien pratique. Donc, moi, je préfère, je vais préférer ceux-là. Bon, jusqu'à maintenant, j'avais ceux-là. J'en ai pas racheté d'autres. Hein. Voilà, là, c'est j'ai ceux-là. Et puis, on a également un bout de double face, au cas où on aurait un petit problème sur la toile où ça ne collerait pas bien. Donc, voilà, les petits kits sont plutôt pas mal. Ils sont même très bien, je dirais, par rapport aux petits kits de base. Donc voilà, bon, ça, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, puisque ce sera pour tous les mêmes. Hein, les perles, c'est pareil. Donc, elles n'ont pas l'air dégueu. Hein. Elles ont l'air même plutôt bien taillées. Je n'ai pas l'air de voir de... Non. Je vous dirai, en fait, une fois qu'ils seront faits... ce que ça donne. Vous voyez, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, parce que là, j'ai pas pu m'empêcher. J'en ai fait un de chez Amazon. Donc, j'en ai reçu de chez Amazon également. J'en avais commandé 4 sur Amazon. J'en avais commandé 4 sur Amazon. J'en ai reçu... j'en avais reçu 3. Et le dernier vient juste d'arriver également. Enfin, il est arrivé là dans la semaine. Bon, je vais pas remettre le petit kit dedans, le petit kit comme je les range à part. J'avais pas reçu comment on appelle ça? Il m'en manquait en fait, donc j'ai pas fait la vidéo tout de suite. Je voulais vraiment tout avoir pour tout vous montrer en même temps. Mais j'ai pas pu m'en empêcher entre deux. J'en ai fait un. Celui que je vous ai montré là avec les papillons. Donc je vous montrerai, je vous dirai les prix de l'ensemble. Donc celui-ci, c'est un 25 sur 30. Hein, donc il vient toujours de chez Hybroderie Diamant. Alors celui-ci, je l'ai acheté également le 4 juillet. Il est également arrivé le 23 en diamant carré. Donc la livraison devait être entre 12 et 25 jours, donc ils ont respecté leur délai, hein. Normalement c'était au plus tard le 29 juillet, j'ai reçu le 23, et celui-ci est au prix de 13,99 €. Celui-ci c'est un 27 couleurs. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, c'est des orchidées c'est des fleurs d'orchidées, il y a des bougies. Alors, je vais vous montrer la petite image là. Malheureusement, je crois qu'on ne voit pas bien. Voilà, donc...
Alors la toile, elle est un peu pliée à cet endroit-là. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, vous allez peut-être pas le voir, mais l'encollement, il n'y a pas été terrible. On dirait que j'ai une petite rivière là. Enfin, très 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 fine, hein, mais là, par exemple, ici j'en ai une. Non, ici j'en ai une, c'est sûr. Ici aussi. Bon, ben, je pense que je vais avoir de quoi. Ouais, ici j'en ai une, ici j'en ai une petite là. Bon, c'est récupérable, hein. Enfin, c'est récupérable. Faut que je teste. Ouais. Celle-ci, j'avais pas fait gaffe quand j'ai regardé vite fait hier. Et en fait, je me rends compte que elle a des petits défauts. Hier, quand j'ai regardé, il faisait pas si clair que là ce matin. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des défauts dans la toile. Bon, que je n'avais pas vu hier. Et voilà la dernière, donc toujours pareil, hein, vendue avec son petit kit, voilà, avec son petit kit, avec son exactement le même petit kit, et puis toutes les, voilà, j'ai tout pris en carré. Ces trois-là sont en carré. Et ici, donc voilà la dernière. Alors la dernière, je l'ai achetée au prix de 17,99, toujours sur ibroderiediamant.fr. Toujours en carré. Et là, c'est une 25 sur 40. Alors, c'est celle-là que je trouve un peu petite. Alors, je l'ai pris plus longue pour justement. Mais je sais pas. Ah ouais, bah celle-ci aussi, elle en a une belle, hein. Ou à la pliure là-bas. Oh, elle en a une belle ici aussi. Oh, décidément, pas terrible, hein. Leur toile. Alors là, vous la voyez bien. Donc c'est une porte. Vous voyez, c'est des portes en bois, des vieilles portes en bois, style vieille porte en bois, avec le sable et les vagues. Voilà, une belle petite toile d'été, bien sympathique. Voilà, alors bon, je sais pas, parce qu'honnêtement, c'est pas très très important, hein. Mais bon, voyez, mais on sent quand même le petit, ouais, si on le sent quand même. Bon, ben, j'en ai jamais fait. Je vais essayer de tester. Alors, bon, j'ai pas envie de les retourner parce que j'avais envie de tester les carrés parce que j'en ai jamais fait. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des ronds. J'ai fait des ronds, j'ai jamais fait de carrés. Je voulais tester. C'est vrai qu'à ce prix-là, quand même, au prix de 17,99 la toile. Hein, on peut avoir les mêmes chez Ali, enfin sur le site Ali. Je voulais juste faire un test, en fait, commander chez eux. Ouais, bon. Bon. Je vais pas les retourner parce que j'avais vraiment envie de les faire. C'est des toiles d'été. Bon, je me tâte parce que honnêtement, je me dis, s'il me demande de la renvoyer, le temps que la toile repart, le temps que j'en reçois une autre, ça a à peu près mis quand même 3 semaines à arriver. Surtout que ça repart en Chine aussi, donc je me dis, ça va faire 3 semaines, ça va faire 6 semaines, 6, 7 semaines, on va dire. Ah ouais, on va arriver au mois d'août, donc ça va faire août, septembre, je la reçois en octobre. Franchement, j'aurais peut-être plus forcément envie de faire en octobre.
Cette toile qui est plus une toile d'été, hein, la mer, la plage, enfin voilà, les vagues. Donc je sais pas. Alors après, ça me donnerait peut-être l'occasion de tester les rivières, parce que j'ai jamais essayé d'en enlever. Ça peut être un bon défi. Mais en même temps, je me dis, merde, quoi, j'aurais préféré essayer. Sur une toile à 6 euros qui vient de chez AliExpress. Si je me plante dans les rivières, bon ben si je le fais pas bien, ben c'est limite moins grave que là sur une toile quand même à 17,99 €. Ouais quoi, il devrait pas y avoir de défaut comme ça quoi. Moi celles que j'ai commandées sur Amazon qui sont moins chères, j'ai aucun défaut. Vous allez les voir là dans la semaine. J'ai rien, quoi. Alors, après, c'est pas. Je sais pas si vous les voyez. Voyez là, par exemple, ici comme ça. Voyez là, juste à ce niveau-là, je sais pas si vous la voyez. Ou alors, est-ce que c'est moi qui suis un peu trop tatasse, on va dire? Puis ici, là, juste ici. Je sais pas si c'est vous qui êtes un peu. Enfin, si c'est moi. Vous voyez là? Là, vous le voyez. Je sais pas. Puis j'en ai une ici. Plein dans le milieu, là. Je sais pas quoi faire. Donc, est-ce que je vais encore réfléchir? Ou alors je me mets au défi d'essayer de la réparer moi-même. Mais bon, je vous dis, franchement, j'aurais préféré avoir un défaut, une rivière, sur une toile de chez Ali, qui est dans les 4-5 euros, plutôt que une toile à 17 euros, quoi. Surtout que c'est pas non plus une grandeur. Voilà quoi, c'est une 25 sur 40. Je 25 sur 40, 17 euros. Je trouve que le prix est quand même déjà bien conséquent. Hein, c'est parce qu'il y avait une toile gratuite que je l'ai fait. Après, la toile en elle-même, bon, ça va. Hein, mais bon, bref, je sais pas. Alors, est-ce que je contacte quand même le vendeur et que je prends des photos et que je lui montre en disant que voilà, enfin voilà, je suis déçue de la toile au prix de 17,99 €. Elle doit être correcte. Donc ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être contacter tantôt. Bon bah voilà, vous avez vu donc ma petite commande de e-broderie diamant. Donc voilà, j'ai un petit peu papoté aussi parce que bon, je suis un peu dégoûtée quoi. Donc voilà, je souhaite à tous une agréable journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.